Hey, salut tout le monde, c'est Lady, on se retrouve avec Yoda. Hey, yo! Et donc on attaque l'étape la plus relou du raid, c'est le labyrinthe avec les gorgognes. Donc je pense qu'il y en a plus d'un qui ont dû péter un câble littéralement sur cette étape. Donc on va, vous allez voir, je vous ai mis le petit parcours, il n'y a rien de spécial à expliquer. Voilà, il faut commencer et prendre à gauche et on vous laisse regarder pour le petit parcours à faire. Donc voilà, ne collez pas trop les gorgognes en l'occurrence. Voilà. Parce que pour ceux qui connaissent pas, en fait, les gorgones, c'est la bête blanche que vous voyez devant nous. Et dès que la gorgone va voir un joueur, donc se rapprocher d'un joueur et le voir, c'est toute l'équipe qui meurt. Vous n'avez pas le choix, tout le monde meurt. Donc voilà, je vous ai mis le petit parcours en vidéo. Donc on commence en prenant le centre de la map. Vous allez longer toujours sur votre gauche et vous allez avoir une première étape qui est au niveau de ce rocher derrière lequel vous allez pouvoir vous cacher tout simplement. Donc vous vous accroupissez et vous attendez que la gorgogne s'en aille. Donc elle est passée devant, elle a continué son chemin un peu plus loin. Voilà, on la voit passer. Donc à partir du moment où elle est passée, vous allez pouvoir continuer tout simplement. Faites gaffe, attention, comme c'est le cas à présent, il arrive parfois qu'elle se retourne, qu'elle attende un peu, voire même qu'elle fasse demi-tour. Donc il faut vraiment faire bien gaffe, bien observer. Si vous la voyez partir, vous pouvez y aller et continuer. Voilà, donc après, c'est notre stratégie à nous, elle marche plutôt bien, c'est de monter là-haut. Donc voilà, parce qu'il y a des gorgones qui passent, pareil, vous pouvez attendre, vous pouvez un peu analyser le parcours. Et vous pouvez aussi vous retourner et passer par en haut. Donc là, on a décidé de repasser par le bas. Voilà, vous longez toujours, hop, vous attendez que la gorgone passe, elle fait son petit tour. Après, une fois que vous connaissez le trajet, vous verrez, c'est pas compliqué. Donc une fois que vous êtes descendu, vous allez pouvoir continuer en reprenant légèrement sur votre gauche, traverser le centre de la map. Donc faites bien attention, les gorgognes voient, mais elles entendent aussi. Donc si vous passez trop près, vous allez vous faire repérer. Et donc l'entrée du caveau de verre, c'est ici, c'est dans une faille, une minuscule faille à peine visible. Vous avez dû sûrement passer plusieurs fois devant et la voici. Et donc elle vous mène au parcours de saut qui lui aussi a dû vous faire pas mal rager. Au parcours de saut, oui. Donc en fait, le parcours de saut, quand on arrive, on se dit « Oh là là, c'est quoi toutes ces plateformes ?» Et en fait, la difficulté n'est pas si énorme que ça. Voilà, nous, on vous conseille d'attendre cette plateforme-ci. Donc dès qu'elle apparaît, vous sautez un petit peu plus loin. Il y a la deuxième plateforme qui apparaît. Donc là, vous allez voir, Lady, elle a eu un petit peu de chance. Oui, parce que j'ai plané trop longtemps. Voilà. Et donc voilà, vous traversez juste comme ça avec une plateforme. Et même pour les arcanistes, alors je ne sais pas si ça marche pour les chasseurs et les titans, mais vous pouvez traverser la salle sans aucune plateforme. Donc en volant, vous maintenant en l'air, ça passe et je l'ai fait plusieurs fois, vous finissez bien dans le rouge, mais ça passe. À condition, bien sûr, de vous rendre complètement sur votre droite lorsque vous arrivez dans la salle. Voilà, et donc là, on va se rejoindre pour la dernière vidéo parce que ça va être la dernière room avec le dernier boss à tuer. Voilà, merci beaucoup pour avoir regardé cette petite vidéo. On vous dit à tout de suite pour la quatrième et dernière étape du caveau de verre. Bisous tout le monde!